grandes orientations, les priorités, c'est le développement pour l'organisation syndicale, c'est la représentativité, c'est le soutien au travail et à l'action des sections syndicales. Parmi les priorités, il y a aussi la question de l'encadrement, de la redéfinition de ce que c'est que l'encadrement et de la place de l'encadrement dans les structures économiques et dans les structures de travail. Et puis, parmi les priorités, il y a aussi ce qu'on a appelé au Congrès la créativité, c'est-à-dire la capacité de notre organisation à être inventive, à proposer, par rapport aux évolutions de la société, à proposer des solutions, des modèles, des adaptations, à être dans l'évolution de la société. Je souhaite obtenir pour l'encadrement dans l'entreprise la place qui lui revient. Et qu'on respecte l'encadrement, qu'on respecte ses conditions de travail, qu'on l'écoute. Et c'est pour ça que je souhaite, pour la CFE-CGC, qui est l'organisation syndicale qui représente l'encadrement, je considère que la place qui nous revient à nous, la CFE-CGC, c'est celle d'être la troisième organisation syndicale de ce pays. C'est un objectif ambitieux, mais je crois qu'on a tous les moyens pour l'atteindre. Être syndicaliste en 2016, c'est s'engager pour contribuer à faire évoluer la société dans un sens de progrès. Un sens de progrès partagé par tous et partagé pour tous. Une société qui évolue et une société dans laquelle tout le monde a sa place.